Trotsky banni, c'est l'ennemi hors de la maison. Mais pour Staline, cela ne suffit pas. Trotsky, lui, le héros de 1905, l'organisateur de l'insurrection d'octobre, le chef de l'armée rouge, le compagnon de Lénine, le leader de l'opposition de gauche, tour à tour isolé, déporté, exilé, allait être la victime d'une des plus stupéfiantes entreprises de falsification de l'histoire. L'image de Trotsky doit être définitivement radiée de la mémoire collective. Films, clichés, peintures, écrits sont méthodiquement détruits, gommés, maquillés. C'est le temps du commissariat aux archives. La vision stalinienne de l'histoire passe par le cabinet noir. L'odeur d'acétone annonce celle du sang. Turquie, avril 29. Trotsky, Natalia et son fils Sedov s'installent à Prinkipo, l'île des princes, là où jadis le grand turc exilait les nobles après leur avoir crevé les yeux. À Prinkipo, nous commencions à vivre à 3 ou 4 heures du matin. Il me tirait de mon lit et nous déjouions ainsi la surveillance du vieux policier turc qui devait nous épier constamment. Nous partions en barque pêcher. Trotsky aimait beaucoup la pêche et nous pêchions les maquereaux. Nous avions notamment un système de pêche qui consistait à placer un filet, à courir sur la côte, ramasser des pierres et à les lancer dans la mer de façon à ce que les poissons, malgré les dauphins qui caracolaient autour de nous, se précipitent dans la nasse. Et Trotsky me disait quelquefois, camarade Gérard, si vous lancez ces pierres, si vous bombardez la bourgeoisie avec aussi peu d'énergie que vous lancez les pierres, elle a encore de beaux jours devant elle. Il faisait des blagues, il aimait raconter des plaisanteries de temps en temps, quand c'était vraiment des gens qui sentaient que c'était des amis personnels avec lui. Alors, je comprends pourquoi beaucoup de gens qui l'ont connu, surtout au niveau de la haute politique, quand il était dans la direction en Union soviétique, ont émis des jugements assez variés, n'est-ce pas ? Parce que d'abord on le trouvait orgueilleux. Moi, je dis non. C'était pas du tout de l'orgueil. Seulement, il avait une façon à lui de défendre ses idées qui, quand il croyait avoir raison, il allait jusqu'au bout. Il était fort et il employait les moyens, n'est-ce pas ? Natalia était frêle, fragile, un peu fanée, et tellement dévouée à Trotsky qu'elle s'occupait avec lui des moindres choses. Elle s'était occupée de la défense des artistes et de la défense des œuvres d'art au cours de la Révolution et de la guerre civile. Elle préparait tout pour Léo, qu'elle appelait naturellement Lev Davidovitch. Et c'est elle qui nous préparait les repas. Le restant du jour était plus studieux. Je passais la journée, toute la matinée avec Trotsky, à lui présenter le courrier et les coupures de journaux, et il me dictait les lettres pour tous les pays. Il y avait des lettres pour nos camarades américains, nos camarades allemands, nos camarades français que j'avais quittés. Léon Sedov, fils aîné de Trotsky, devient à 23 ans le bras droit de son père dans la lutte de l'opposition. Sedov, c'était un cas, n'est-ce pas ? Il était tout à fait dérouté, parce que il avait suivi son père, il lui était bien sûr très dévoué, son père le jugeait très sévèrement. Moi, il m'a dit plusieurs fois, « Ah, vous comprenez, il fait rien, il faut rien, c'est pas... Moi, je serai à sa place, je m'occuperai de la politique tout en faisant des études théoriques et des études d'ingénieur. » Moi, je lui disais, vous savez, c'est pas très facile actuellement. Bon, et puis d'ailleurs, on le sait, il y avait une correspondance. Et alors, malheureusement, Sedov
Alors, Sedov ne m'aimait pas beaucoup. Et il avait des arguments très curieux, du genre nationaliste. Pour lui, un Russe, c'était avant tout un type épatant. Les Français, des petits bourgeois... Vous n'avez pas de tripes, vous n'avez pas de tripes comme nous. Il me disait... Très vite, du monde entier, de jeunes militants viennent se mettre au service du vieux, comme le Tchèque, Jan Frankel, l'Allemand, Rudolf Clement, le Français, Jean Van Eschenort. Mais le danger est permanent. Des espions peuvent se glisser parmi les partisans. Malgré des moyens dérisoires, il faut organiser la sécurité du groupe. Trotsky n'avait aucune espèce de notion des mesures de sécurité qu'il fallait prendre, car il les considérait complètement insuffisantes en face de la volonté implacable de le tuer, que comme tout l'appareil dont disposait Staline, il y parviendrait le jour où il déciderait. C'est ce qu'on voit. En 1932, Trotsky, qui était appelé par les étudiants de Copenhague, a pu, presque miraculeusement, traverser la France et aller à Copenhague tenir ce meeting. Il a prononcé un discours qui mériterait rester parmi les classiques des appels à la jeunesse, qui est un genre bien connu et qui a connu de grands auteurs. Je me souviens particulièrement de la réunion parce que j'étais sous la couverture posée sur le tréteau derrière lequel parlait Trotsky et que le pistolet à la main, je surveillais la foule dont on pouvait craindre des manifestations. Les grands événements ont vérifié et confirmé notre attitude. Des cadres sérieux sont éduqués. Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher de l'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Des idées et les méthodes de Marx et de Lénine deviendront des idées et les méthodes de l'international communiste. Dès 1929, Staline lance sa vaste offensive de collectivisation forcée. C'est la déportation massive de millions de paysans. C'est l'industrialisation accélérée par un encadrement sauvage et le travail forcé des ouvriers. Emprisonnés, déportés, isolés, nombre de bolcheviks ne capitulent pas et poursuivent la lutte en liaison avec le centre de l'opposition animé par Sedov. Victor Serge et son fils Vladi étaient parmi ceux-là. C'était un groupe très, très solide, ils se réunissaient très souvent et ils avaient des réunions même confidentielles, c'est-à-dire quand il y avait une réunion à la maison et il y avait un peu de vodka ou un morceau de pain, alors on lisait parfois des poèmes, mais quand la réunion était plutôt politique, c'était souvent sur une barque. Mon père a écrit un poème sur une barque sur l'Oural, n'est-ce pas? Mais il recevait des communications, oui, des petits papiers, je me souviens, des petits manuscrits comme ça, très serrés, avec des thèses de prison, une autre... Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Je ne suis pas très au courant, parce que j'étais censé de ne pas trop en savoir. Sedov a organisé, en direction de l'URSS, un véritable réseau. Et un réseau qui est implanté à l'intérieur
de ce qu'on appelle les organisations de masse du parti allemand, organisations de loisirs, de tourisme, de théâtre pour les tariens, secours pour les tariens, solidarité, tout ce que tu voudras. Et des gens vont dans l'URSS à travers ces voyages organisés, portent du courrier et rapportent, d'autres rapportent du courrier. Et il y a tout un échange qui dure pendant plusieurs années. De Principo, Trotsky fonde le bulletin de l'opposition. Avec Sedov, il tente d'unir tous les communistes antistaliniens en créant des réseaux et en favorisant l'organisation de groupes de dissidents au parti soumis à Moscou, tout en essayant dans un premier temps de ne pas rompre les contacts avec ces derniers. Ses textes, articles, brochures sont publiés dans le monde entier, dans les journaux militants tels La Vérité, que dirige à Paris Alfred Rosmer avec Pierre Naville. Trotsky avait un poids, je peux dire, quotidien. D'abord parce qu'il intervenait personnellement en écrivant beaucoup aux uns ou aux autres, et surtout parce qu'il surveillait étroitement ce que nous écrivions et ce que nous faisions. Et lorsqu'il n'était pas d'accord, quelquefois sur des détails, n'est-ce pas, il ne se gênait pas pour le dire. Il se plaignait constamment de la façon matérielle dont nous produisions nos journaux et nos revues et nos tracts, n'est-ce pas, ces bourrés de coquilles, de faux d'orthographe, c'est plein d'erreurs, etc. C'est scandaleux, c'est incroyable que vous n'arriviez pas à trouver des camarades typographes qui pourront assurer que ça soit proprement fait, etc. Il avait raison, en un sens. Mais nous, en dépit de beaucoup d'efforts et d'un sacrifice permanent, nous n'y arrivions pas toujours, bien sûr, très correctement. Janvier 33, Hitler devient chancelier du Reich. Il interdit partis et syndicats. Il organise la torture et la déportation, dans les premiers camps de concentration, de centaines de milliers d'Allemands, militants ou opposants. Depuis plusieurs mois, Trotsky, devant le danger nazi, avait réclamé le front uni des organisations ouvrières. Les communistes, que ce soit à Moscou ou que ce soit à Paris, avaient le front de nous appeler les hitléro-trotskistes. Alors que l'opposition de gauche a été la plus militante et la plus active contre le nazisme et contre Hitler. On se souvient mal que Trotsky avait publié un grand article en appelant la Russie à mobiliser l'armée rouge le jour où Hitler prendrait le pouvoir. À l'époque, la politique officielle et fatale de l'Internationale était la politique de la troisième période, c'est-à-dire que la social-démocratie était l'ennemi principal. Les journaux communistes déclaraient que même les enfants communistes devaient matraquer les enfants socialistes, qui étaient des petits Zorgibel. Zorgibel était le nom d'un préfet de police socialiste particulièrement haï des communistes. L'activité des oppositions et le lien avec l'étranger, c'est-à-dire avec Trotsky, sont brisés par la dictature de Hitler. Parce que la dictature de Hitler détruit l'appareil international, donc détruit le milieu nourricier dans lequel se développait le réseau de Sedov. Et la victoire de Hitler assure la victoire de Staline sur Trotsky et ses alliés. Dans la rue, les communistes allemands se sont lancés à l'assaut des forces socialistes, avec parfois l'appui des groupes nazis. C'est la faillite du Comintern. Trotsky, renonçant à la politique de réforme, considère alors qu'il est nécessaire de bâtir à nouveau des partis communistes et une nouvelle internationale communiste. Libération,
Les nouveaux développements en Allemagne donnent un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique des fronts uniques et par suite renonciation aux soviets. Dans la même période, Zina, l'aînée des filles de Trotsky, se suicide à Berlin. Déjà en 28 à Moscou, mourait de tuberculose sa cadette Nina. L'année 33 commence pour Trotsky sous le signe d'une double tragédie. Zinaïda était sortie, elle voulait aider son père, elle voulait collaborer avec son père. Elle, lui n'avait pas confiance, l'a tenue à l'écart. Les conflits familiaux ont aigri leur relation et... C'est très pénible à lire les lettres de Trotsky qui prétend avoir compris la maladie mentale, qui porte un diagnostic, qui dit qu'elle rentre en urse très vite et qu'elle nous laisse tranquille. C'est très très pénible, très très douloureux. Et elle dit, elle attend de son père un geste tendre, un geste affectueux, qui ne viendra pas parce que Trotsky ne comprend pas. Des messagers mystérieux sortent souvent de la villa Kermonik et semblent toujours avoir peur d'être épiés. Deux énormes molosses gardent nuit et jour cette maison habitée depuis plusieurs mois par un locataire mystérieux, M. Sodrov. Ce M. Sodrov n'est autre que Trotsky. Il ne sort jamais et ne communique avec l'extérieur que par des messagers, comme ce motocycliste apportant le courrier de l'ancien chef bolchevique qui a déclaré s'être un réfugié à Barbizon pour échapper à la vengeance de ses adversaires. On ne savait pas qu'il était ici. Enfin, en général, nous, les militants, nous le savions, et encore. On nous confiait, nous, militants de base, que Trotsky, en effet, était ou dans l'Isère, ou à Saint-Palais, ou je ne sais pas où. Barbizon, je l'ai appris très tard. Parce que, même pour les militants, le secret était assez bien gardé. Et en général, tout le monde a ignoré la présence de Trotsky en France jusqu'au moment où il était expulsé. Grâce à l'aide notamment du diplomate-poète Saint John Peirce, Trotsky a obtenu un visa pour la France. Ayant débarqué à Marseille le 24 juillet 1933, il va séjourner avec Natalia à Saint-Palais, puis à Barbizon. Mais à partir d'avril 1934, c'est à nouveau l'errance à travers la France. Malgré tout, certains jeunes militants parviennent à le rencontrer. Pour nous, cet homme représentait la révolution d'octobre. La révolution d'octobre pour nous représentait la première révolution ouvrière prolétarienne dans l'histoire du monde. Donc c'était un personnage extraordinaire, n'est-ce pas? Mais en même temps, et c'est un rapport qui n'est pas si facile de faire comprendre, surtout dans une société où les relations d'autorité se sont généralisées. Malgré cette extraordinaire admiration que nous avions pour lui, malgré le profond respect que nous avions pour le très grand responsable de la révolution d'octobre, nous ne cachions pas nos désaccords. Nous les exprimions. Face aux émeutes de février 34, Trotsky dénonce le rapprochement dans la rue du Parti communiste et des ligues de droite. Ceux-ci l'accusent d'être à l'origine des troubles et exigent son expulsion. Cependant, il reçoit le soutien de certains intellectuels comme Daniel Guérin, Simone Veil et André Malraux. Malraux avait été, par intelligence et par sensibilité, le soutien de l'opposition en Russie. Il n'avait jamais ménagé sa signature pour obtenir la sortie de Russie soviétique de Victor Serge. C'est avec André Malraux que j'ai tenu le grand meeting de la salle Albouy le jour même de l'expulsion de Trotsky. Mais au bout de quelques mois, Malraux nous a déclaré
qu'il était trop occupé par le soutien qu'il devait à la Révolution espagnole pour pouvoir continuer à s'intéresser aux affaires des Russes. On sait qu'en même temps, dans les grands procès qui se préparaient en Russie soviétique, il était affirmé que Trotsky avait noué des accords avec Rudolf Hess pour l'invasion de la Russie. Les communistes ne se sont pas gênés pour demander qu'on chasse de France Léon Trotsky. Le 19 août 1936, le premier procès s'ouvre à Moscou. Parmi les accusés, Zinoviev, Kamenev, Smirnov. Je ne pense pas que on pouvait prévoir la vague de terreur et de mensonges qu'ont été les trois grands procès dirigés par Staline contre les compagnons principaux de Lénine. Je ne pense pas qu'on pouvait prévoir le caractère inouï des aveux dans lesquels ces hommes qui avait bravé sous les tsars le bagne, la Sibérie, la potence, se livrerait à des aveux au cours desquels ils reconnaîtraient qu'ils étaient des monstres à face humaine et des chiens sanglants, que c'est eux qui faisaient dérailler les trains, qui sabotaient les cantines et la nourriture des ouvriers, qui, avec des vapeurs de mercure, empoisonnerait et ferait mourir Gorky, qui avait des pourparlers avec l'état-major allemand et avec les agents du Mikado. Je ne pense pas que nous ayons pu prévoir le caractère invraisemblable des aveux. Je crois que le premier grand procès a été un coup de tonnerre. Pour résister à un bourreau, pour résister à un bourreau à la torture, il faut avoir une résistance physique. Elle peut se briser, c'est très humain. Mais quand on marche avec le bourreau, c'est qu'on est convaincu de quelque chose, en une certaine mesure. Et eux, ils avaient fait don de leur âme. Comme on disait, leur âme au diable. Là, ils avaient donné à la Révolution leur vie, leur jeunesse, leur vie privée, tout. Et par-dessus le marché, ils leur donnaient leur honneur. Mais comme ils n'étaient pas des bourgeois avec le sens de l'honneur, ni des princes, c'est là qu'ils ont loupé. Cela, on peut le donner à personne. Même pas à la Révolution. Il y a quelque chose, l'être humain a quelque chose eschatologiquement exclusif. Il ne peut pas faire don. Tu n'as pas le droit de faire don du mensonge et de ta personne. On peut te briser, on peut te faire parler et te faire dire le contraire de ce que tu penses. Mais dans la mesure où tu peux résister, c'est la dernière chose à laquelle tu dois résister. Et parmi eux, il y a eu cet élément. Une trahison à un élément que le communisme ne connaît pas, que l'athéisme socialiste ne connaît pas. C'est-à-dire l'honneur de l'homme, l'honneur de l'âme. Enfin, pour nous, a été quelque chose de déchirant. Même pour nous, Trotsky, c'était quelque chose de déchirant. Et qui était absolument
qui était absolument un non-événement pour la plupart des gens. Et que même la gauche, sauf un certain nombre de socialistes, disait, bon, la révolution des divorcés d'enfants, etc. La Ligue des droits de l'homme prenait parti pour Staline, enfin c'était ça. Les procès de Moscou ne sont pas le procès de pauvres types complètement démonétisés, sans valeur, mais au contraire, sont les procès de gens qui ont préparé une opposition contre Staline et qui se sont réalliés à Trotsky dans une lutte finale. Et ces gens-là forment un bloc d'opposition sur la ligne démocratie, sur la ligne échange d'informations, etc. Et évidemment, c'est une menace politique très sérieuse. Staline n'a pas écrasé les anciens opposants parce qu'il était un méchant assoiffé de sang. Il a écrasé les anciennes oppositions parce qu'elles le menaçaient, qu'il l'ait fait de manière barbare et sanguinaire parce que ça correspondait à son tempérament de sauvage et de demi-fou. C'est autre chose. Mais les ressorts de la politique, ça n'était pas la psychologie de Staline, c'était les oppositions, les racines de classe, etc. Bientôt, seul survivant du comité central de 1917 avec Staline, Trotsky obtient un visa pour Oslo en juin 1935. Mais sous la menace soviétique de rétorsions économiques, le gouvernement norvégien finit par interner le couple d'émigrés. C'était vraiment minuit dans le siècle. À Sundby, c'était vraiment le creux de la vague. La petite maison de Sundby était une maison misérable où Trotsky, malade, et Nathalie étaient vraiment reclus à une quarantaine de kilomètres d'Oslo, dans un fjord à peu près désert. Au rez-de-chaussée, il y avait le corps de garde des gendarmes norvégiens qui avaient déchaussé leurs bottes et posé leurs fusils dans des râteliers et qui jouaient aux cartes en buvant du kvass. Et vraiment, Trotsky était réduit à un emprisonnement. Sur cette planète sans visa, le soleil se leva enfin sur les côtes du Mexique. Le 9 janvier 1937, à Tampico, Trotsky et Natalia sont accueillis par des amis américains et mexicains. Et le train officiel du président Cárdenas est là pour les conduire jusqu'à Mexico. At that time, we utilized a member of our defense committee, which had been revived, Anita Brenner, to contact Diego Rivera, the famous muralist painter in Mexico. At the same time, our co-thinkers in Mexico had the request from our comrades in France and elsewhere to see if they could get a visa to Mexico for Trotsky. Diego Rivera est allé voir Mujica, qui a introduit, l'a introduit à Cárdenas à travers une lettre. Et ils sont allés voir Diego Rivera et Octavio Fernández, que vous avez vu. Ils sont allés voir Cárdenas, qui justement s'occupait de la répartition des terres de la Laguna. Ils sont arrivés, Diego Rivera est entré, et en deux minutes, Cárdenas, il n'a même pas pensé deux fois, il a dit oui. Si Trotsky respecte son statut de réfugié politique, donc s'il n'intervient pas dans la politique mexicaine. Soldat de la révolution mexicaine aux côtés de Villa et Zapata, le général Cárdenas a rendu la terre aux Indiens et aux paysans. Président, il nationalise les firmes pétrolières américaines et anglaises. Le Mexique soutiendra l'Éthiopie contre Mussolini
la Finlande contre Staline, la Tchécoslovaquie contre Hitler. Seul Cárdenas livre sans condition les armes à l'Espagne républicaine et accueille des milliers d'orphelins de Madrid et de Barcelone. Mexique, ultime terre d'asile. Cárdenas avait une politique nationale et internationale assez à gauche. Il a donné l'accueil à Trotsky, comme tous les deux l'ont dit, sans le savoir, l'ont écrit, par cohérence avec sa propre pensée libérale, je dirais, socialisante, avec sa propre pensée, et pas par accord avec les idées de Trotsky. Il croyait vraiment à l'indépendance du Mexique, à la souveraineté du pays, et il croyait à la protection, au droit, au devoir de protéger aux exilés de toutes les tendances, mais surtout, bien sûr, les révolutionnaires. C'est dans la Maison Bleue de Coyoacán, chez le couple de peintres Frida Kahlo et Diego Rivera, que Trotsky et Natalia vont revivre après leur longue nuit européenne. Diego se chargera, avec un groupe d'ouvriers mexicains, de la protection de ses hôtes. Trotsky, pues no me dio esa impresión que yo esperaba de él, porque venía vestido, y es una cosa un poco pues infantil si ustedes quieren, pero venía con sneakers. Y yo a Trotsky siempre lo había soñado como el organizador del Ejército Rojo, un soldado y todo, y verlo con sneakers y esto. No me parecía que era el Trotsky que yo tenía en mi cabeza. Nosotros conocimos a un Trotsky humano en un sentido extremo. Y mencionaron una ocasión, una señora muy guapa, se le acerca y le dice: señor Trotsky, ¿no quiere bailar conmigo? ¿Cómo no? ¿Dónde ha bailado Trotsky con la señora? ¿Le preparo un cóctel? Entonces estaban de moda las medias de seda, ¿no? Leche condensada, etc. Y Trotsky tomaba medias de seda. He dicho, esa señora, no supe nunca quién era, cómo se llamaba. Habrá contado por ahí, yo bailé con Trotsky, él tomó un cóctel que yo le hice. ¿Quién le va a creer? Y así era Trotsky. Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. J'ai fréquenté Diego, mais ce que je peux te dire, c'est que il a été sa femme a été la maîtresse de Trotsky, ça c'est vrai, n'est-ce pas? Ce sont des choses que nous ne disons jamais entre nous. Il y a dans le marxisme révolutionnaire, et surtout influencé par les Russes, n'est-ce pas? Il y a une espèce de pudeur. Il y a une pudeur. Ils étaient bons baiseurs. Je ne veux pas dire que ça ne l'est pas comme ça. Mais c'était des affaires, on ne s'occupait pas du nombril vers le bas. On s'occupait du nombril vers le haut. Alors, si Trotsky avait des maîtresses, aujourd'hui on en découvre beaucoup plus peut-être qu'il y en avait, mais aujourd'hui on en sait beaucoup. He wanted to know what kind of a committee had been set up on his behalf. We explained that we had organized the American Committee for the Defense of Leon Trotsky. It had two objectives. One was to get asylum for Trotsky, which we succeeded in doing.
The other was to constitute a commission of inquiry into the charges against him and his son Sadov by Stalin's government. Reconstituant son secrétariat d'exil, Trotsky prépare sa défense devant la future commission d'enquête présidée par le philosophe américain John Dewey afin de réfuter les accusations insensées des procès staliniens. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in his direction? The creation of an American, an European, and subsequent also an international commission of inquiry, composed of people who incontestably enjoy authority and public confidence. I undertake to present to such a commission all my files, thousands of personal and open letters in which the development of my thought and my action is reflected day by day, without any gaps. I have nothing to hide. Le 10 avril 37 débute le contre-procès de Coyoacán. Albert Goldman défend Trotsky devant la commission présidée par Dewey, entouré notamment d'Otto Ruhl, ex-député du Reichstag, de l'écrivain américain Suzanne La Follette, et en présence de nombreux journalistes étrangers. There were Mexican journalists, there were journalists from the US. It was a tremendous occasion for us, and everybody had a feeling of elation, you know, and the hearings began, and they were sensational, actually. I was the reporter. I sat in front of Trotsky for the 8 days, in front of the commission and the lawyers, and although I didn't have much time to relax, I had enough composure to watch what was going on to observe Trotsky as a witness, which that was the most unusual thing of all. He testifies for 8 solid days of the most intense testimony you can imagine. His biography, the history of the revolution, the history of the Russian movement, the events in the revolution, the counter-revolution, the fight against Stalin, the rise of the opposition, his expulsion, his exile, his deportation, his life in Turkey, France, and Norway, and the enormous body of ideas and writings that came out of the struggle against Stalinism. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. The commission's verdict was very clear and definitive. It said that the charges against the Trotskys were false and the Moscow trials were frame-ups. Et aujourd'hui, sans le savoir, peut-être même en ignorant à peu près les conclusions de la commission de Dewey, les gens qui, en Union soviétique, ont réhabilité récemment Boukharine, Rakovsky, les accusés du troisième procès, qui réhabiliteront ceux du deuxième et ensuite ceux du premier, ces gens-là s'appuient sur le travail de cette commission qui a été, je pense qu'on peut dire d'elle ce qu'on a dit du travail de Zola au moment de l'affaire Dreyfus, ça a été un moment de la conscience humaine. Cuando murió Lioba, aquello fue una catástrofe para el viejo y para Natalia. Moría no solamente el hijo, sino yo creo el sucesor como dirigente de la Cuarta Internacional. Y el viejo y Natalia se encerraron varios días y nosotros pues nada más queríamos
darle las condolencias o algo, pero era imposible. Ellos no estaban totalmente aislados. Février 38. Transporté dans une clinique parisienne pour une banale crise d'appendicite, Léon Sedov ne survivra pas à l'opération. Son collaborateur, Zborowski, dit Étienne, était un agent du GPU. Quant à Sergueï, son autre fils, il disparaît dans les geôles de la Loubianka à Moscou. Lyova, le fils aîné, vous le savez, est mort d'une façon mystérieuse dans laquelle est peut-être entrée la main du GPU, on ne sait pas encore trop. Et cela a été pour Trotsky et elle une douleur terrible. Mais c'était dans une certaine mesure dans l'ordre des choses. C'était un combattant, n'est-ce pas ? C'était un combattant, il accompagnait leur lutte, il l'a menée. Alors que Serge, me disait-elle, c'est la victime innocente. Il n'avait aucun intérêt pour la politique, il n'avait d'intérêt que pour son travail d'ingénieur. Et il a été arrêté uniquement parce qu'il était le fils de Trotsky, n'est-ce pas ? Et cela, et Trotsky et Natalia l'ont ressenti très vivement, puisqu'elle m'a dit un jour qu'après la disparition dans les prisons de Serge, dont il ne recevait plus de nouvelles, Trotsky avait fugitivement songé au suicide, en se disant « si je disparaissais, peut-être le libérerait-on ». Plane sur toute l'Europe. On ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qu'étaient les rapports entre les trotskistes et la puissante hiérarchie stalinienne, n'est-ce pas ? C'est que même aujourd'hui, le parti stalinien est quelque chose de ramolli. N'est-ce pas ? C'est un parti, disons, plus réformiste que stalinien, dans le sens propre du terme. Ils ont perdu toute leur force et toute leur énergie. À cette époque, n'est-ce pas ? Ils avaient encore une capacité combative extraordinaire et policière, n'est-ce pas ? C'était des flics, et des flics dangereux, et qui étaient encadrés par les flics soviétiques, qui étaient encore plus dangereux. Et dont certains secteurs étaient effectivement des gens qui tuaient. C'était les rapports réels qu'il y avait là. Ça, aujourd'hui, quand on dit ces choses, dans ce monde ramolli et un peu, et tellement démocratique, n'est-ce pas, par tous les bords, ça paraît étrange, mais c'était ça. Le stalinisme, c'était ça. Et en même temps, d'ailleurs, la base ouvrière du PC était une base authentiquement ouvrière. C'était des ouvriers qui avaient lutté dans des conditions que les générations actuelles ne connaissent pas et qui avaient des capacités militantes qu'ils n'ont plus. La révolution gronde en Espagne. Le coup d'état militaire préventif de Franco n'a pas empêché l'explosion populaire. 36 en Espagne, c'est 17 en Russie. Staline veut contrôler la situation et combat les organisations révolutionnaires, comme le PUM, Parti communiste dissident et proche de Trotsky. L'offensive du Parti communiste s'est orientée, l'offensive des conseillers soviétiques, contre le gouvernement Largo Caballero, ils se sont attaqués à la CNT. Et puis le 16 juin 1937, ils ont fait le coup qu'on connaît comme le coup de Barcelone, c'est-à-dire des agences de la police stalinienne dirigées par le GPU ont arrêté Nin.
et puis une partie du membre du comité exécutif du POUM. Mais cette répression s'est accentuée et après on s'est attaqué aux militants de la gauche socialiste et aux anarchistes. C'est-à-dire que parmi les tués au front, dans la première phase, c'était des militants du POUM, après c'était des anarchistes, des militants de la gauche socialiste, et après même des dissidents communistes. En voyage au Mexique au cours de l'été 38, le poète André Breton rédige avec Trotsky le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant, s'opposant au dogme du réalisme socialiste. Sur les rives du lac de Pascuaro, ce fut, comme on l'a dit plus tard, la rencontre de l'aigle et du lion. Nous étions venus au surréalisme qui, pour nous, constituait le défi le plus grand lancé à l'absence d'idées, la stagnation de la société. Mais dans le surréalisme, nous avons, Naville et moi et quelques autres, très vite perçu que la révolution de l'esprit n'était pas une révolution suffisante et que la révolution de l'esprit devait s'accompagner d'une prise en considération du réel et de l'intervention dans la réalité humaine et sociale. C'est dans ces conditions que nous avions rallié le communisme avant que Breton ait perçu totalement l'importance de la lutte politique. Mais il devait finir par l'apercevoir, et le surréalisme au service de la révolution, c'est le titre qu'il avait adopté, trahit bien l'ambiguïté que le surréalisme a toujours rencontré dans son adhésion sincère aux valeurs révolutionnaires. Oui, il y avait déjà chez Breton une admiration de Trotsky. Trotsky le trouvait séduisant, enfin tout ce qu'on veut, mais au fond, il avait des goûts classiques en littérature. Et voyez ça comme une espèce de chose insolite, sinon folle, un peu. Mais il avait besoin, à la fois et en même temps, il savait que les surréalistes étaient des gens honnêtes. Et il pouvait faire fond sur eux dans l'espoir de rassembler, non pas autour d'eux, parce qu'ils étaient quand même assez mal vus de l'intelligentsia française en général, mais enfin essayer par eux, par un manifeste assez large, de réunir à la fois contre les gens asservis à l'argent ou contre les gens asservis à des dogmes politiques, on pouvait rassembler des artistes, disons, libres, indépendants. C'était comme ça que ça s'appelait. Bon. Trotsky demande à Breton d'écrire un projet de manifeste. Et bon, les choses se mettent un peu difficilement en route, mais le travail se fait, et je voudrais rappeler tout de même que dans ce manifeste, il y a un texte qui dit « toute licence en art ». Or, Breton le dit, il a répété bien des fois, ce n'est pas lui qui a insisté pour faire figurer cette formule. Il disait tout de même, on ne peut pas dire « toute licence en art » et il faudrait ajouter « sauf contre la révolution ». Et Trotsky a dit non, pas de restriction là-dessus, toute licence en art. Sinon, c'est mutiler l'art. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Sous l'exergue de Spinoza, Trotsky avait analysé dès 1937 la guerre mondiale qui se préparait. Inévitablement, Staline devait se rapprocher d'Hitler. Devant la menace de la barbarie, Trotsky décide la création de la 4e Internationale, Parti mondial de la révolution socialiste. Elle se constitue le 3 septembre 1938 à Périgny. De son côté, Staline signait un an plus tard avec Hitler le pacte germano-soviétique.
À la suite de sa rupture avec Diego Rivera, Trotsky s'installe rue Viena à Coyoacán. La villa est vite transformée en forteresse face aux menaces de plus en plus précises des staliniens. En août 1939, le couple exilé accueille les Rosmer, qui amènent avec eux l'unique descendant de Trotsky, le fils de Zina, Sieva. Sieva sera le témoin innocent des dernières scènes du dernier acte. Je dormais tranquillement, non, dans la chambre voisine à celle de mes grands-pères, quand un bruit me réveillait. C'était la porte, quelqu'un poussait la porte de vitrail qu'il y avait, non, et le bruit me réveilla, non, c'était 4h30 du matin. Et peu après, alors tout commençaient les coups de feu, non, les mitraillettes, non, toute la maison, je sais, sentir à poudre, et je sentais un peu comme tout d'un coup dans un champ de bataille, non. No estaba espantado, no estaba asustado. ¿Eh? A mí me he dicho, me pareció un niño pleno de felicidad, de gozo, de enseñar cómo habían intentado matarle, cómo habían cruzado las balas por todo el cuarto, y él sabía, había salido ileso, ¿no? Après l'assaut du 24 mai 40, Trotsky est accusé par la presse communiste d'être l'organisateur de son propre attentat. Malgré ses calomnies, tous les soupçons se portent sur un groupe de staliniens et son chef, le peintre Siqueiros. Celui-ci s'enfuit, mais ses complices arrêtés avouent. Trois jours après l'attentat, un nouveau venu se présente avenue Viena. Il s'appelle Frank Jackson, fiancé d'une jeune militante américaine, Sylvia Ageloff, qui l'avait connu un an plus tôt à Paris, sous le nom de Jacques Mornard. Je l'ai rencontré par Sylvia Ageloff, un beau garçon qui est venu avec un grand bouquet de fleurs, elle n'était pas habituée à cela, et envoyé par son ami Ruby. Elle ne savait évidemment pas que Ruby faisait partie de la KGB, en somme. Et elle me l'a présenté presque tout de suite. Ils sont devenus amants et pendant tout son séjour, les séjours de Sylvia à Paris, nous nous voyons tous les jours, tous les trois. Son histoire, que nous n'avons jamais vérifiée, était qu'il était le fils d'un diplomate, parlait beaucoup de sa mère qui faisait du cheval, il l'admirait beaucoup. Il faisait des photos de sportives pour un journal. Nous, le sport, hein, on n'y connaissait rien, donc ces photos, on ne les voyait pas. Il se promenait toujours avec Leica. Et ne s'intéressait pas à grand-chose, certainement pas à la politique. Il sortait quand nous parlions de politique. Il sortait, il quittait la pièce. Il quittait la pièce, ça ne m'intéressait pas. Il n'était personne. C'était un signe algébrique, charmant, gentil, généreux, mignon, rien. À 5 heures de l'après-midi, Jackson présente à Trotsky un article qu'il a lui-même rédigé. Trotsky l'invite à le suivre dans son bureau. Jackson sort un piolet. L'arme s'enfonce de 8 cm dans la boîte crânienne de Léon Trotsky. Je revenais de l'école très tranquillement, oui. Je marchais, sans préoccupation.
puis quand je me suis rapproché de la maison, j'ai eu une sensation d'angoisse. Non, je sentais que quelque chose anormal était arrivé. Il y avait des gens dans la rue, une voiture était arrêtée. Alors j'ai accéléré mon pas, et je suis rentré. Et alors là, j'ai vu que tout le monde était bouleversé, qu'il y avait quelque chose de grave venait d'arriver. Et mon premier impression, c'était le mercader de Jackson, c'est-à-dire qu'on le connaissait, qui était au milieu du jardin, arrêté par les bras des policiers. Il était dans un état tout à fait de guignapo humano, non, un homme tout à fait défait. Il pleurait, criait, gémissait. J'avais jamais vu un être humain dans un tel état, non, de désarroi. Non, de... De maman, je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui pouvait arriver, qu'est-ce qu'il faisait, cette famille-là, ce mari de Sylvia, enfin, qu'est-ce qu'il faisait là. Et après, quand je suis entré dans la bibliothèque, alors oui, j'ai vu que Pierre David était gravement blessé dans la chambre d'à côté. D'ailleurs, ils ne m'ont pas laissé rentrer, non, parce que lui-même, encore blessé, il a donné dans sa instruction que le garçon ne doit pas, Sylvia ne doit pas voir ça. Non. Trotsky meurt le 21 août 1940. Jackson Mornar se nommait en réalité Ramón Mercader del Río, agent du GPU. Condamné à 20 ans de prison par la justice mexicaine, puis libéré en 1960, il fut décoré de l'ordre du drapeau rouge à Moscou. Ni mausolée, ni panthéon pour Trotsky. Seulement l'hommage émouvant d'une foule anonyme issue d'une autre révolution. Quelques mois auparavant, Trotsky avait noté à la fin de son testament « Ma foi dans l'avenir communiste de l'humanité n'est pas moins ardente, bien au contraire, elle est plus ferme aujourd'hui qu'elle n'était au temps de ma jeunesse. » Natacha vient juste de venir à la fenêtre donnant sur la cour et de l'ouvrir plus largement pour que l'air puisse entrer plus librement dans ma chambre. Je peux voir la large bande d'herbe verte le long du mur et le ciel bleu clair au-dessus, et la lumière du soleil sur le tout. La vie est belle, que les générations futures la nettoient de tout mal, de toute oppression et de toute violence, et en jouissent pleinement. »